Ici, Masada, une forteresse. 37 tours. Un donjon comme une seconde montagne sur la montagne. Des citernes pour l'eau de pluie. Un palais d'une incomparable splendeur. Tout ce que je dis, chevalier, date de l'époque du roi Hérode. Thibault, dites-leur l'aspect de ces lieux aujourd'hui. Des millions de pierres écroulées et le silence. Et sous les pierres en ruine, paraît-il, des souterrains. Oui, des souterrains où furent entassées les fabuleuses richesses d'Hérode. Est-ce une légende? Au fond du sable de la légende cherche toujours une pépite de vérité. Souhaitons une pépite d'or au fond de celle-ci. Il existe un vieil ermite. La grotte où il demeure est ici. Vous lui rendrez visite avant tout. Il m'a fait savoir récemment que les bédouins du désert lui avaient remis de très vieux parchemins trouvés dans la terre. Ils n'ont pu lire ces parchemins. Mais l'ermite, lui, croit y avoir trouvé des indications sur l'emplacement du trésor du roi Hérode. Chevalier. Vous, Thibault, unanimement reconnu comme le plus apte à diriger une expédition sur cette terre de Judée qui n'a plus de secret pour vous. Vous, Albert de Frissac. Et vous, Renaud d'Aubigny, frères en loyauté et en bravoure. Vous, Raymond de Pouillan, jeune, mais résolu. Et vous, Gontran des Beaux, inébranlable dans la bonne ou la mauvaise fortune. Vous, comte de Cournon. Et vous, baron de Sévrac, modèle de loyauté, qui remplaçait la vigueur de la première jeunesse... Par la vigueur de l'âge mûr. Certes, et je voulais ajouter, par la sagesse. Vous tous, la fleur de mes chevaliers, vous avez fait, selon l'usage, serment de loyauté et de désintéressement, comme tous vos frères d'armes. Mais vous, vous n'êtes pas corrompus. Malheureusement, le trésor dont dispose notre royaume aurait grand besoin de retrouver une santé plus florissante. L'espoir de nos finances est entre vos mains. De près un ermite. Savez-vous quel est le genre de celui-ci? Il y a plusieurs sortes d'ermites. Celui-ci, selon les messagers qui sont allés au roi de sa part, très pieux, très érudit, très sage. Espérons que ce n'est pas encore de la légende. Viens voir! Viens voir! Une visite des chevaliers! Tu ne veux pas voir les chevaliers? Hein? Non. El Boud. Auriez-vous ici une compagne, bon père? Voyez ce que c'est. Chaque jour, je lui fais faire avec moi une petite promenade. Aujourd'hui, j'étais fatigué. La promenade a été écourtée. Ça la fâche. Je vous apporte le salut du roi de Jérusalem. Je la connais. Quand elle est contrariée, c'est mon appétit qui en fait les frais. Pour moi, ce soir, demi-souper. De qui parle-t-il? Vous venez pour les parchemins. Téméraire! Tu te décides? Elle vous salue. La voici. Quand elle est contrariée, elle se contracte. Ce soir, je ne tirerai pas d'elle un demi-litre de lait. Hein? Les parchemins. Viens. Les parchemins. Prends-les, ils sont là. Où sont-ils? Là? Prends-les, prends, te dis-je. Prends et va-t'en. Prenez-les et allez-vous-en. Prenez et partez. Emportez le diable! Laissez-moi, laissez-nous seuls. N'est-ce pas? Qu'ils s'en aillent.
La Reine Blanche. La Reine Blanche. La Reine Blanche. Jeunes gens. Prenez garde. Elle vous détruira l'un après l'autre. La Reine Blanche vous détruira. Téméraire. La Reine Blanche vous rendra fou. Fou, tous. Regardez là-bas. C'est certainement le camp des Bédouins. Certainement. Renaud, et toi, Albert, puisque vous brûlez d'impatience de vous rendre utile, allez jusqu'à eux et tâchez d'en convaincre une bonne douzaine de nous accompagner pour nous servir de terrassiers. Alors, Cournon? J'ai séjourné aux Indes longtemps. La plupart des dialectes orientaux me sont familiers. J'avoue ne rien entendre à celui-ci. Je distingue évidemment le tracé d'une direction, l'indication de quelques lieux, assez vague, mais je ne peux déchiffrer aucun des mots écrits. Ils sont écrits en copte. Le copte est le langage populaire de l'ancienne Égypte. Mon maître s'est donné la peine de l'étudier avec un vieux savant juif. La récolte semble maigre. Deux seulement? C'est encore une chance que nous ayons pu décider ces deux. À peine avons-nous parlé d'un travail à Masada qu'ils se sont tous mis à faire des gestes de conjuration et à parler avec effroi de malédictions et de fantômes. Va toujours pour deux. Compagnon, si la roche est trop dure, je crains qu'il nous faille troquer pour des pelles nos épées. Cela ne me fait pas peur. À moi non plus. Allah Akbar. Salam alaikum. Qui a crié? C'est Vrac. Prenez garde, les serpents! Je viens de voir s'enfuir tout un nid de serpents. La Reine Blanche. Faire prendre le travail, je vous rejoindrai. Il reste ici le temps de l'ensevelir.
C'est assez travaillé pour aujourd'hui. Remontons maintenant. Où est Renaud d'Aubigny? Il travaillait à côté de moi. La Reine Blanche. Renaud! 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 Disparu. Ils font le bilan. Comte de Cournon, est-ce un nouveau jeu? Pas un jeu. Une pratique des Indes. Eh ben, je vous admire. Dans les circonstances où nous sommes, de garder du goût pour la gymnastique. Il ne s'agit pas de goût, mais de discipline. Cette posture a pour effet de raffermir les nerfs ébranlés. Et je te la recommande, Blanchot. Si quelqu'un d'entre vous veut abandonner cette entreprise, je lui en donne permission. Tu nous fais injure, Thibault. Pourquoi donc? Parce que persévérer jusqu'au terme, c'est la règle du chevalier, quel que puisse être le terme. Quand je fais œuvre de chevalier, je me sens obligé. Non lorsque je suis à la recherche d'un trésor. Toi, Thibault, tu nous conseilles presque l'abandon. Pourquoi n'abandonnes-tu pas le premier? Parce que je suis le chef de cette expédition. Ce qui veut dire, en fin de compte, que c'est moi qui suis au service de ce que vous déciderez. Un autre motif t'en tient. Oserais-je le dire? Hein? La curiosité. Sans doute. Mais c'est un motif bien léger qui m'encourage assez peu à accepter de risquer vos vies. Retournons au travail. Comme si de rien n'était. Montant à l'air libre. Thibault, appelle ça comme tu veux, appelle ça Reine Blanche comme l'ermite. Fantôme comme les Bédouins, ou esprit comme Cournon, ou fatalité, je ne vois aucune explication naturelle. Ah, il y en a pourtant une très simple. Je sais, il y aura un assassin parmi nous.
Je soupçonnais les Bédouins, mais un des leurs vient d'être victime. Chevalier ou Bédouin, je les ai observés. Et aucun d'eux n'est entré avant nous dans la grotte. Réfléchissons, Blanchot. D'abord, Séverac. Mordu par un serpent. Admettons. Ensuite, Renaud d'Aubigny. Disparu. Et même son corps reste introuvable. Le dernier à l'avoir vu est Albert de Frissac. Mais Albert de Frissac était avec moi quand Raymond de Bruyant a été écrasé par le rocher. Et à ce moment-là, c'était Gontran qui était à côté de Raymond. Alors, lequel? Frissac? Gontran des Beaux ou Cournon? Lequel? Ou tous les trois? Seraient tous les trois complices. Dans ce cas, ils n'auraient plus à se gêner pour nous trancher la gorge à toi et à moi. Qu'attendent-ils? Pas à moi. Car ils savent très bien que je suis le seul à pouvoir lire le plan qui mène au trésor. À toi non plus, ils auraient peur que j'abandonne. Je me méfie du comte de Cournon. Le problème reste le même pour nous. Cournon n'aurait rien pu faire seul. C'est peut-être que je n'aime pas cet homme. Écoute. J'ignore encore si les parchemins nous disent la vérité, mais je suis sûr que mes calculs sont justes en tout point. Demain, le premier coup de pioche ouvrira la salle du trésor. Et le coupable, à condition qu'il y en ait un, devra se manifester et nous montrer son visage. Demain? Non. Tout de suite. C'est ici. Cournon. Tue-moi, Thibault. Tue-moi. Cournon, pourquoi? La soif de la richesse. Tes complices. Ton complice. Cournon, dis-le.
Sévrac. Oui, oui. Sévrac. Ah, oui, Sévrac, qui est mort deux fois. Mais cette fois est la bonne. C'est sans doute Cournon qui connaissait les pratiques des Indes qui lui a appris la manière d'entrer en transe et nous l'avons cru réellement mordu par un serpent. Et puis Cournon a fait le simulacre de l'enterrer. Cournon? Ils avaient uni leurs efforts pour une bien triste besogne. Et voyez où elle les a amenés. Voulez-vous savoir pour quel résultat dérisoire cinq hommes sont morts? Le trésor de Masada. Bien peu de choses en vérité. Le trésor de la mer morte. Des parchemins. Des papyrus. Je suppose que le bon roi Foulque sera déçu. Et puis on ne sait jamais. Avec des écritures, il y a toujours une chance pour que cela vaille mieux que de l'or. Sait-on jamais. Et le corps de Renaud d'Aubigny, le retrouverons-nous? Nous ne quitterons pas ces lieux, Blanchot, sans l'avoir retrouvé.